Donc l'objectif de la Garroutade, hein, c'est de créer de la valeur ajoutée sur notre territoire autour des sentiers de vélo et des sentiers de randonnée évidemment. On veut se servir des sentiers, entretenir les chemins et montrer qu'il y a une logique économique à tout ça et que finalement, en entretenant, en investissant dans l'entretien des chemins, on peut réussir à créer de la valeur sur notre territoire autour et donc faire travailler donc, des confrères à nous, des collègues, notamment des hébergeurs, des loueurs de vélos, des restaurateurs, des réparateurs de vélos, des fabricants de vélos hein, comme nous à Caminade. Et donc l'idée est vraiment autour de cette Garroutade, in fine, c'est vraiment de réussir à faire ça. L'organisation de l'événement La Garroutade a deux rôles. D'une part, ça va être de faire de la promotion sur nos sentiers, sur notre terrain de jeu et de montrer vraiment tout le potentiel et tout l'étendue de notre terrain de jeu. Et d'autre part, le deuxième rôle qu'on alloue à cette organisation de La Garroutade, c'est aussi de collecter un budget qui va nous permettre, nous, de réaliser un premier pas et, dans des travaux et de pérenniser finalement les travaux qu'on veut réaliser sur les chemins pour maintenir notre plan de développement et notre plan de lancement donc du site VTT, du site vélo, en tout cas La Garroutade à Ailly-sur-Tête. Je vais être transparent avec vous sur les chiffres de La Garroutade, cette randonnée organisée dans les PO. 49€ l'engagement, 25€ qui reviennent au fonctionnement de la randonnée. Pour tout ce qui est gestion du repas, des secours et tout ce qui s'ensuit. Les 24€ restants reviennent entièrement, et je dis bien entièrement, au sentier. Donc on compte sur vous pour vous inscrire, on a besoin de vous. Grâce à ça, on va nettoyer 27 km de sentier. On va créer une piste adaptée à tous. On va officialiser des parcours et surtout les entretenir. Allez, La Garroutade, hein, pour nous, c'est l'occasion vraiment de faire un appel à la communauté VTT de la région, du département, pour finalement entretenir et nous aider à entretenir les chemins. À l'échelle de chacun des riders, hein, comme l'a dit Damien, c'est 25€ de cotisation finalement pour l'entretien des chemins. Ben, finalement, c'est peut-être pas énorme 25€ par an pour vous, mais pour nous, fois 500 riders, ça représente un budget qui est considérable et qui nous permet vraiment de voir la suite en plus grand que ce qu'on a déjà pu faire. Donc on compte sur vous pour être présent le 25 février à Ailly-sur-Tête au départ de la rando La Garroutade et prendre du plaisir au guidon de votre vélo. A plus !